Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec nos amis les Congolais. Et on se préparait donc à une nouvelle guerre contre la Tunisie qu'on vient d'écraser et qu'on va du coup essayer de terminer si possible. Et surtout contre Massina et les Ottomans. Donc Massina pareil dans l'optique d'en finir. Les Ottomans, peut-être, on verra si on arrive à repousser suffisamment leurs armées pour que ce soit intéressant. Sachant qu'actuellement il est en guerre contre ce truc-là, mais que je pense que il est en train de gagner, hein, parce que il s'est fait attaquer dans le dos lui, donc de toute façon il va se faire défoncer. Et ça va être donc la thématique du jour. Alors la question c'était, voilà, les deux viennent, donc oui non impérialisme bien sûr. Nos deux alliés viennent. Ici la France ne vient pas parce qu'elle participe à une autre guerre. Elle a une lassitude de guerre élevée. Ok, c'est qui ton autre guerre, France? Pueblo, c'est Sioux. Putain, tu déconnes ou quoi? On a 38 points, donc on peut pas lui demander de se préparer à la guerre, mais on pourrait déjà augmenter un petit peu la confiance. Est-ce que t'as des dettes? Grande puissance, purger la dette, il a pas de dette. On peut pas l'influencer, ça sert à rien, puisque c'est une grande puissance aussi. Oui. C'est guerre lointaine qui fait chier peut-être aussi. Ouais, on est remonté à 60 contre 70. Lassitude de guerre, guerre lointaine, participe à une autre guerre. Ouais. Comment il peut y avoir de la lassitude de guerre contre les Pueblos, je ne sais pas. On peut se permettre de cramer encore 10 points, mais pas plus quoi. Je pense pas que ça suffise. Il faudrait plus si on veut qu'ils viennent. Ouais, 65 sur 70. Ouais. Et puis si on attend, le problème c'est qu'on prend le risque que quelqu'un tombe dessus. Alors de toute façon, il faut qu'on attende un peu parce qu'il faut qu'on se débarrasse de ces rebelles. Et que nos armées, là, dont j'ai arrêté l'entraînement, regagnent leur morale. Mais il n'y aura pas de miracle non plus, hein. Acceptation croissante des poses 20. Ah zut. Bon là, on va se préparer déjà à sauter sur ces cons. Que si on peut s'en débarrasser direct, ce sera cool. Voilà, ici c'est géré, parfait. Donc là on a des armes, deux armées pour écraser Tunis, une armée ici qui va s'occuper très vite fait de Massina, et on a trois armées côté ottoman, ce qui représente quand même 120 000 hommes, ça devrait suffire à encaisser pendant un moment. Merde, ici on s'est fait choper, est-ce qu'il y a moyen de faire un truc? Ouais, on va corrompre les fonctionnaires. Et on va envoyer quelqu'un du coup chez nos amis ottomans. Hop là, à Tunis, avant de déclarer la guerre, on a peut-être moyen de faire des petites revendications. Sousse, Bizerte, Bizerte, allez, hop, c'est parti. Ce sera toujours ça de pris. On perd des sous, dis donc. Impressionnant. Ouais, tu pourrais la finir. Il peut la finir vite sa guerre, lui, hein. Il n'y a pas de débat. Ce serait intéressant d'avoir la Russie et la France dans la guerre. Alors, la Russie, est-ce qu'on peut la. Non, on peut pas lui demander de se préparer à la guerre, sinon elle va. Elle nous suivra pas parce qu'il n'y a pas 10 points de faveur. Donc, on va pas le faire, du coup, on va attendre 2 secondes. Hop, toi. La Bohème a été élue Saint-Empereur, ok très bien. Bohème qui tire bien son épingle du jeu dans cette partie, hein, franchement. Je sens qu'il va attaquer... Ah, il est entré avec les Ottomans jusqu'en 35, donc déjà il va pas attaquer les Ottomans. Par contre, il accepte de venir, hein. On est bien d'accord. Ouais, il viendrait. La France, faut qu'elle arrête sa guerre et ce sera tranquille, ce sera bon, quoi. Si on pouvait avoir la France en plus de la Russie contre les Ottomans, ce serait cool. Ah tiens, la Perse a été formée ici. Très bien, donc là les Ottomans visiblement se sont fait couper l'herbe sous le pied. Ce qui nous arrange, hein. Parce que de toute façon ça allait pas beaucoup les laminer cette guerre. Merde, on a trop de points. On peut pas monter notre légitimité cette fois. On peut peut-être faire un petit peu de... Non, même pas. On peut pas faire de répression malgré toute l'autonomie que j'ai dégagée. Est-ce qu'on peut prendre un général de plus? Non. Des états ça nous sert à rien. Bon, on va développer des provinces. Hein.
Puisque c'est comme ça, en plus ça nous permettra de compenser un peu notre problème de troupes. Alors, ça c'est à 9, parfait, ça c'est à 8. Ah, je peux pas faire plus, zut. Bon, on a pas mal de points admin, donc voilà. 10, 10, 12, 4, 9, hop, 9, hop. On va améliorer un petit peu nos troupes. Voilà, parfait. S'arrêter là. C'est quoi ce truc? Mazan des rangs, allié aux Ottomans. Ah bah non, c'est étonnant de la part des Ottomans. Ici, ah, l'Ottoman est en guerre contre un autre truc de nouveau. Il enchaîne. Oman, Tunis, Mazarina et Massina, donc autant pas les attaquer tout de suite. Chut. Ok, ok. France. Il est en train de perdre sa guerre, vous êtes sérieux? Non mais, c'est quoi ce délire quoi? Les conversions continuent, ça nous rapporte du blé. Ouais, bah on va peut-être pas l'attendre 100 ans, au pire on l'appellera si jamais il accepte de venir. Alors après, Tunis, t'es allié à qui? Ottoman et Massina. Alors la question, c'est si j'appelle Tunis comme co-belligérant. Ah, je peux pas parce qu'il est en trêve. Bon bah du coup, on va pas le faire. Parce que je me disais, si j'appelle Tunis en tant que co-belligérant, est-ce que ça fait venir la Grande-Bretagne? Je me posais la question. Parce que c'était intéressant, hein, dans le sens où on aurait eu beaucoup moins de coûts pour légitimer ses provinces, pour prendre ses provinces. Mais du coup, on va faire ça comme ça. Ici, on a notre annexion qui avance bien, hein, 11 par mois, c'est quand même plutôt pas mal. La France, on l'appellera si on peut, en attendant qu'on appelle les Peuls, le Maroc, la Russie, Tunis et Ottoman viennent. Et c'est parti, en avant, là on lui saute dessus, ici on va commencer à se déplacer par là. Ici on va attendre, et voilà, dès qu'il est rouge, à l'enfoiré, il essaie de se casser, bon il essaie de se casser vers chez lui. Donc on va attendre qu'il soit loqué, ah non il s'enfuit, merde, donc là par contre on va le poursuivre. On va essayer de le choper. Où est-ce qu'il va? À Zouara, alors là on va attendre qu'il soit loqué, on les saute dessus, en vitesse 4 peut-être pas non. Surtout qu'il faut pas que j'oublie de m'occuper de ces cons. Alors ici on va rusher immédiatement là avec cette troupe et on va avoir nos 40 000 hommes derrière qui vont s'occuper du terrain. Ici on bloque toujours le détroit, tranquillement. Ici on a nos bateaux de transport qui peuvent éventuellement faire permettre de traverser si jamais c'est la merde. Massina, on va très vite fait aller se débarrasser de leurs troupes, ce sera fait. Ici, est-ce qu'il y a moyen de traverser? Oui, il y a moyen de traverser. Ah, ici on les a chopés, c'est parfait, je pense qu'on va les défoncer. Allez, dis donc la vache, ils résistent les enfoirés. Parfait, stack wipe, donc on va aller se poser direct à Tunis. Ici, on va essayer de traverser si on peut. Voilà, là c'est fait. On va envoyer. Allez, jeu, s'il te plaît. Ouh, il me dans chie un peu. Voilà, on a ces 20 000 hommes là. Et ici, du coup, bah, on va faire ce siège. On a 3 de siège, c'est pas mal. Ici, faut qu'on scinde un peu par contre si on veut être un peu plus efficace. Parce que c'est... Sinon, ça va prendre des plombes. Les 20 000 hommes là, s'il vous plaît. Hop, hop, en avant. En avant. Puis on va en laisser 10 000 là, c'est très bien. Congo occupe des trucs. Donc ici, ouais, là par contre il va sortir des troupes, c'est un peu chiant. Ici on va laisser ce qu'il faut pour le siège et on va aller les poursuivre. Là on pourra pas se poser là parce que visiblement il a envie de faire chier avec ses bateaux, mais... On va les poursuivre. Bon, pas d'Ottomans dans le coin encore. Vous allez grimper par là-bas. Vous ici. Vous là. On a réussi à traverser ici. Ici on n'arrive pas à traverser. Hein. Du coup, puisqu'on n'arrive pas à traverser, on va aller se
s'occuper un peu des troupes qui traînent et des forts qui traînent. Ouf, déclin de l'innovation. Donc on va prendre la petite tech administrative. Ce qui nous permettra de prendre une nouvelle doctrine. Et puis bah de la meilleure infanterie pendant la guerre. Ouais, ouais si ça... On va le faire vite fait avant de voir les Ottomans se pointer, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Infanterie nord-africaine, occidentale, est-africaine, centre-africaine. Qui c'est qui est bon? Pas mal de feu ici. Ici, pas mal de morale défensif, ouais. Ça, c'est la prochaine tech, j'imagine. Ouais, tech 30. J'aime bien celle-là. Pas mal de choc. Comment on est en choc? 1,65 et 1,66, on va prendre ça. Prendre celle-là, la sud-africaine. Ok, ici on est complètement à poil en termes de morale. Ah oui, mais je suis con, c'est parce que on vient de, on vient d'améliorer nos troupes, pardon. C'est tout à fait normal. Ici, on se déplace. Toi, t'as terminé ton siège, t'as qu'à aller là, par exemple. Il a combien de mouvements, lui? Putain, 5 de mouvement, cet enfoiré. Il va où? Là. Là. On va le choper, là. Bon, on a, on n'est pas full moral, mais en même temps, ils sont que 3000, hein, donc bon, je pense qu'à un moment... ouais, voilà. Ça, ça va bien se passer. Ici, il faut qu'on essaie de choper ces cons. Alors, Aïr s'est tombé. Parfait. On va donc envoyer 20 000 hommes par là-bas. Alors les Peuls, s'ils continuent de faire des réseaux chez nous, hein, forcément ils sont totalement totalement pas fidèles. C'est tout à fait normal. Pour l'instant, il n'y a que des armées ottomanes en Russie, comme la dernière fois. Ce qui est très très intéressant, bien sûr. Fortification négligée. Bah non, on va pas... Ah bah voilà, on peut appeler... La France peut venir. Viens France. Hop là, on a la France dans la guerre avec nous. Là, ça va commencer à moins déconner. Tunis est tombé, parfait, avec 5000 hommes, quoi. C'est quand même la déprime pour eux. Ici, par contre, ils tracent leur route, c'est très chiant. Et je pense qu'il y a moyen qu'on chope ces cons-là, là. Très très vite fait. Surtout s'ils restent sur place. Après, l'idéal serait de pouvoir envoyer des troupes ici, mais... Bon, avec la France, il y a moyen qu'on arrive à assiéger ça, par contre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, ici, on va choper cela. Voilà. Le fort ne tombe pas ici, malheureusement. C'est un peu triste. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser nos fesses là. Ici, ça donne quoi, là? Grimpez un peu, les gars. Commencez à aller vous poser au Caire, tant qu'à faire. Ici, 5000 là, et tout le reste au Caire. C'est parti. Au niveau des doctrines, on va regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Une doctrine diplomatique serait peut-être pas mal. Plus de diplomates, relations diplomatiques plus sains, ouais. Bon, la diplomatique pour l'instant, c'est pas la teuf niveau points, hein, donc. Une petite doctrine de qualité, histoire d'améliorer encore un petit peu nos armées, ça pourrait être pas mal aussi. Novatrice, coup des techs ou des institutions, ouais. Ça c'est un peu tard. Administratif pareil. Je pense qu'on va partir sur la qualité, c'est toujours intéressant et on a quand même beaucoup de points militaires. C'est parti. En plus on est dans notre âge d'or, donc ce serait con de ne pas le faire. Et du coup on aura boosté nos généraux, et bah du coup on va booster nos troupes aussi, pour la peine. Voilà, on se détend. On se détend, on se détend. Ici on prend des trucs, ici on les a défoncés. Est-ce qu'il y a moyen d'aller se poser là à un moment où sa flotte n'est pas là? Ouais, on a 40 000 Français qui arrivent là, ça va faire très très mal. Une petite flotte marocaine là qui tente, hein, mais... On va essayer de passer là en speed, quitte à avoir l'armée qui reste coincée, bon c'est pas trop trop grave. On a fait une bataille quelque part, je ne sais pas où. Ok, ça s'est occupé au Caire. Quoi que non, ça s'est pas occupé, donc tu vas te poser dessus plutôt.
Voilà, ici 7%, c'est pas mal. Le commerce de l'encens, nickel, ça permettra de stabiliser un peu le pays. Alors ici, on va passer en speed pendant qu'on a un bateau marocain. Je pense que ça se fait. Allez. Pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, parfait. On a réussi à passer, donc on va faire ce siège. Ça évitera qu'ils nous recrutent des troupes dans le dos. On a plein de blé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un chou notre limite terrestre pour repasser au-dessus. Au niveau des forts, on était comment au niveau des forts? Là, c'est à jour, c'est à jour, c'est à jour. On a des trucs pas trop à jour ici, mais ça sera quand même vachement moins important bientôt. Ici, bah, faudrait qu'on en fasse un là, un terme. Ici, c'est à jour. Ouais, globalement, on est pas mal. Ouais, on peut en mettre un jour là, peut-être, et un ici. Pour se protéger d'éventuels débarquements. Parce qu'on aime bien être efficace. Allez, les gars, au Caire. C'est parti. Alors, on a remporté un siège. Ah, bah, le siège du Caire, ok, parfait. Bon, bah, les mecs, go, hein. Allez, filer un coup de main. Vous allez vous regrouper. Ici ça ne tombe pas bien sûr, ça serait trop facile. Putain, celui-là est tombé avant quoi. On va pas rester trop, on va pas trop s'éloigner hein, parce que ça reste les Ottomans, donc évitons de faire des conneries. Vous deux là. S'il vous plaît, merci. Pareil, vous allez tranquillement vous pointer du côté des Ottomans parce que c'est pas à Tunis qu'il y aura des problèmes hein, clairement. Ici, on va aller choper ces cons. Ils se déplacent là? Non, ils se déplacent pas. La France, on va lui faire confiance, hein, elle va s'occuper de ça très très tranquillement. Donc nous, on prend rien de l'autre côté, on s'en tamponne, hein, mais il faut le faire tomber pour le coup du score de guerre. Est-ce que ces îles... Je crois que j'avais déjà regardé, mais je vais revérifier. Ça c'est de l'Europe ça, ouais. Par contre ça c'est l'Europe, mais ça c'est l'Afrique. Ouais, ça c'est l'Afrique. Faut pas qu'on oublie de prendre cette petite île de merde là. Voilà, le siège est tombé, mais on est coincé par leur bateau. Ah non, il se casse. Bah, du coup on va essayer de se barrer aussi. 5000 hommes, c'est parti. Alors le casus belli commercial contre Massina, voilà quoi. Ici on se scinde et on rase le pays. Toi tu vas à Constantine, parfait. Ça c'est un territoire sauvage. Tiens, pourquoi l'Aragon est... Ah, il est soldé par la France, d'accord. Très bien, toujours rien côté ottoman. Ici on est regroupé, les sièges sont tombés. On va aller se poser en bas. Avec un mec qui a du siège tant qu'à faire, voilà. Toi t'es 5000 hommes, tu vas les récupérer ici s'il te plaît. Là. Donc là, en termes de démonstration de force et tout, on va se faire plaisir. Le prestige devrait également bien bien monter, je pense. Avec la fessée qu'on va leur mettre aux Ottomans. Ah, une petite flotte ottomane qui traîne là. Faire attention qu'ils ne débarquent pas. Comment ça se passe ici? Bah, mieux que la dernière fois. Hein. Le russe, pour l'instant, ça s'est occupé par... Je sais même pas ce que c'est que ce truc. Gazikoumouk, c'est quoi ce pays? Gazikoumouk, défenseur face à Congo. Ah, c'est un vassal, c'est ça? Ouais, c'est un vassal des Ottomans. Ok, bon, voilà. Autant dire que voilà. L'Ottoman, pour l'instant, s'est permis d'envoyer 1000 hommes. 1000 hommes chez le russe. Alors, je sais pas où sont ses troupes. J'ai même pas regardé militairement à quoi il ressemblait l'Ottoman. Ah, il a quand même. Il est censé avoir 450 000 hommes. Hein. Donc, il y a 450 000 hommes quelque part. Hein. On sait pas où. Manigance bureaucratique. Despotisme bureaucratique. Perte de 6 en stabilité. Le dirigeant meurt. Non. Non, non, on est un empire et on vous emmerde, les gars. Merci, au revoir. On a des bons commandements militaires. Ouais, non, on peut pas perdre. On peut pas se permettre de perdre en stab et surtout en loyauté des nobles. Hein. Bon bah Tunis ça commence à être pas mal. On va se regrouper parce que j'ai pas vraiment envie de piller un pays que je vais prendre.
On va attendre ici que la France termine le taf, et je pense que qu'on sera très bien. Ah, ici, premier contact avec les Ottomans. Attention, quoi. Ici, on va prendre nos bateaux, on va prendre la moitié de nos bateaux, et on va les envoyer là. Histoire de toujours bloquer le détroit, hein. Ok, donc ici, on a eu un contact avec une armée ottomane. Il est donc peut-être en train de regrouper des troupes. On fasse un peu attention. Descendez-vous les gars, voilà, commencez à prendre un petit peu tout ça d'assaut là. Est-ce que vous pouvez vous scinder, merci. La Grande-Bretagne a semé la discorde, c'est bien triste. Voilà, ici avec un petit blocus, je pense que ça va aller très très vite. Ouais, je sais pas du tout où sont les armées ottomanes, il était en guerre là, mais normalement il a dû largement avoir le temps de revenir. Donc je vois pas trop ce qu'il fout. Si le siège est fait, on va retourner ici. Au cas où l'Ottoman ait envie de se pointer. Alors, convoquer l'assemblée de la noblesse, c'est fait, parfait. Ici, on va avancer également par là. L'Argentine a revendiqué la terre de feu. Voyez-vous ça ? Notre terre de feu à nous, quoi. Alors que c'est même pas encore fini de coloniser. C'est un scandale. Bon, bah Tunis, voilà, ça va tomber, puis on n'en parlera plus. Ici, vous... Non. Vous regroupez, s'il vous plaît, voilà. Et vous vous pointez. Le Maroc arrive avec ses 32 000 hommes. On va se pointer avec encore une petite centaine d'hommes, là. On peut prendre en plus une doctrine. Tradition terrestre annuelle, on prend. D'autant plus qu'on vient d'en cramer un maximum de la tradition terrestre. Alors est-ce qu'on peut se permettre, ouais on peut se permettre je pense d'envoyer des bateaux ici faire le siège. Ouais ça c'est toujours choquant hein, mais ça fait pas partie de l'Afrique hein, aussi curieux que ça puisse paraître. Nos ports sont sous blocus, ouais, on s'en fout, c'est en haut. Ah, il commence à y avoir du monde là, oui, on a 72 000 ottomans ici, ça commence déjà à déconner un peu moins. Faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Ici, on va pas trop s'étaler. Eux, ils vont toujours là-bas, là. Ouais, ils auraient peut-être pu recalculer leur itinéraire, mais bon, admettons. Allez, c'est parti. Bah vous allez là, ici, après tout, vous arriverez peut-être même avant. Le Maroc a pas peur, lui, il y va comme ça, tout seul, pas de stress. Oh, il y a des bateaux ottomans, là, qu'est-ce que c'est que ça? Des galères. Bon, non, on est là juste pour faire le blocus, hein. Pour aider au siège. On va au Qatar, hop, ici on va là. Ah, ici il commence à y avoir du peuple. 40 000 ottomans qui arrivent là. Nos armées sont pas encore sur place. Donc le Maroc va se prendre une branlée. Ah, une grosse branlée même. Mais on a du renfort qui arrive derrière. Ah, le siège déjà ici est déjà tombé en plus. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se replier. Et on va commencer à avancer un peu. Ici j'ai même presque envie d'envoyer mes bateaux, alors c'est des galères malheureusement, mais si on peut pas prendre cette petite merde là, de Bahreïn, pardon hein, pour ceux qui habiteraient éventuellement au Bahreïn, bah ça va foutre la merde, pour il peut nous recruter des troupes dans le dos, donc en fait ce qu'on va peut-être plutôt faire, c'est qu'on va se pointer là, on va amener les autres bateaux là, de toute façon je pense que s'il avait une armée dans le coin, il l'aurait amené sans la gueule. Ok, donc ici... Faut qu'on commence à avancer. Non, il décide de se replier, on dirait. Donc tant pis, on va commencer à aller piller des trucs, hein, du coup. Parce qu'on peut mettre 40 000 hommes ici, c'est parfait. Vous allez là. Ici, on va pas avancer trop tout seul quand même. On va essayer d'avoir un peu de renfort derrière. Hop, hop, on se détend. Parce que c'est pas impossible que là ils sont en train de se barrer pour faire le tour par là, hein, donc restons prudents.
Quoi, on va rester scindé. Il y en a 5000 là, 5000 là. Vous, vous allez par là-bas. Alors ici on est regroupé, on prend un peu d'attrition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui sauter dessus. Essaye de s'enfuir, ce qui est plutôt bon signe. Alors Tunis veut une paix. On va s'occuper de ça tout de suite. Le quartier étranger de Merka. Edjaz à l'égard de Congo. Ou alors puissance commerciale locale, puissance commerciale locale. Non, voilà. Et talent de l'impératrice consort. Coup d'état administratif moins 10, ou coup d'état diplomatique moins 10, ou coup d'état diplomatique militaire moins 10. Ben, parfait. Terminons cette bataille navale, voilà, parfait. Donc du coup, alors par contre, on va tout de suite envoyer une troupe là, parce que ce serait con de ne pas en profiter. Puis vous, vous allez revenir ici réparer. On va servir des bateaux de transport, pour l'instant ne servent à rien, pour faire le blocus. Ok, le Maroc est déjà de retour en pleine forme. C'est parfait. Donc nous on va du coup, avec son soutien, commencer à se pointer aussi. Alors, Tunis. Ça on va le filer au Maroc, même si pour l'instant on est en train de l'annexer, c'est pas grave. On prend tout ce qu'on peut bien sûr, ça coûte une blinde, hein. Normal. Pourquoi je peux pas donner ça? Ah putain, c'est si cher que ça ce truc. Ah oui la vache. Bon bah on prend le max qu'on peut, hein, voilà. On file ce petit truc là au Maroc pour reboucher le trou et il faudra se refaire une guerre du coup avec avec Tunis. Malheureusement, c'est pas grave, on fait ça. Hop là, parfait. Donc on a des trucs à légitimer bien sûr. Donc le français a traversé, il va se pointer tranquillement vers nous. On a l'armée ottomane en fuite. Ouais, on va aller l'aider à assiéger, hein. Ça mange pas de pain. On a un de siège avec ce commandant. 4 de siège avec celui-là, non mais. Va aider toi plutôt. Ce sera beaucoup plus intelligent. Toi tu vas ici. Oui, le casus belli conquête contre Tunis, hein, qui s'y intéresse réellement. Ici il faut qu'on avance parce qu'on a... Ah mais il est revenu faire chier là, vous êtes sérieux? Les mecs vous êtes en état là? Ouais bah cantez-vous. Parce que là c'est n'importe quoi. Les 20 000 hommes. Voilà, ça c'est l'armée. Elle va se pointer. Une petite conversion, c'est parti. Votre prestige remonte bien. Ce qui est très très cool. L'annexion elle continue d'avancer, oui. Ici on va se scinder un peu. Voilà, avec notre général avec 4 de siège tout de suite c'est beaucoup plus efficace, hein. C'est normal. Là le mec en mode relou, hein, normal, il fait chier. On va aller poser nos fesses par là-bas. On va en prendre un peu de renfort, hein. Histoire d'être pas trop avancé, surtout qu'on sait qu'il y a des armées qui traînent dans le coin. Ouais, il essaie de s'enfuir, donc bien sûr cette fois on va rester, hein, parce que ça va bien des minutes. Allez, bougez-vous les gars. Différents commerciaux contre la Californie, hein, sont tamponnes. Ici on va se regrouper, histoire d'avoir deux forces à même d'avancer plus ou moins en parallèle. Ouh, gros fort ici. Gros fort, le fort level 6. Même avec 3 de siège ça pique. Ça va tomber très vite, le bateau va sortir, on va le défoncer un coup, on n'en parlera plus. Ici c'est des rebelles, ok, on s'en fout. Alors Cham c'était ici et c'est tombé. On va donc monter direct. Vous allez vous scinder en deux. Hop, histoire de vous occuper de ça. Ici on va monter un petit peu pareil, hein, toujours pour avoir des renforts. Vous regroupez-vous pour profiter de votre commandant et en avant. Vous, vous allez réparer et upgrader, puisqu'on a le blé. On peut pas le faire quand c'est pas un de nos ports peut-être. Ouais voilà, ça doit être dans un de nos ports. Ouais, du coup, pointez-vous dans un de nos ports. Plutôt.
Le Maroc qui est bien vénère, hein, ça fait plaisir. Hein. Il est en mode bien énervé. Ah, ici on a du monde. Bon, tout seul il fera pas grand chose, mais il faut faire attention quand même. On va se poser à Bagdad comme des gros connards. Ah, il y a du rouge ici. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est une flotte. Ici ça commence à devenir un petit peu plus brutal. Ici on a une marche forcée, lui je sais pas où il va, mais il devrait... Ah mais si, il doit venir aider, mais il peut pas y aller direct. Bon, 42 000 hommes carrément marche forcée. Ici 16 000 hommes, il y en a encore 23 000 derrière, ça va fight violent. Est-ce qu'il a déjà perdu des batailles l'Ottoman? Beaucoup de batailles navales. Ouais, il a perdu une bataille à 23 000 contre 26 000 quand même. Ce qui veut dire que même la Russie est beaucoup plus puissante que lui. Ce qui est bien sûr tout à fait positif. Hein. On va certainement pas s'en plaindre. Vous bougez les gars. Vous bougez les gars. Oh, suffit. Mais sans déconner. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise tête là? Ici on a 5000 hommes normalement qui foutent rien. Bon elle est là. Alors ici je vais pas trop avancer. Là on peut se permettre de piller un peu et on peut pas laisser nos 40 000 hommes derrière. Lui on est obligé de le laisser pareil hein, passer. Techniquement on pourrait avancer avec l'effort hein, mais faut y aller quand même un peu près en douceur quoi. On peut pas se permettre de charger billes en tête comme des enfoirés. Ça reste les Ottomans, même si nos troupes sont bien meilleures contre 3 fois plus, bah ça a des limites. Oh putain! Ouais, alors voilà par exemple, ça c'est complètement pas prévu. 72 000 hommes en plus, ça déconne pas. Pointez-vous les gars, tout le monde se pointe. Surtout s'ils décident de faire demi-tour avec ces 35 000 là. Bon après, on voit... À 36 000, on a perdu 2000 hommes et on lui a déjà rasé la moitié de son armée. Qu'entend dire que c'est la violence. Parfait, bon bah une bonne chose de faite du coup. Arrêtez-vous. Faites demi-tour. Vous allez là du coup. Vous pareil, la marche forcée, vous lâchez l'affaire, puis vous reviendrez dans le coin. Bon, ce fort par contre, ça serait bien qu'il tombe à un moment. Bon, étant donné qu'on est quand même plutôt bien protégé par l'avancée de l'armée au nord, on va se permettre de se détacher un peu ici. Puis par la qualité visiblement monstrueuse de nos troupes également. C'est quoi l'armée toujours en marche forcée là? Ça suffit. Bon, très belle bataille contre les Ottomans, ça fait plaisir. Et puis leur fort... il s'écroule. Ouh, on a une grosse armée ici. Non, là, il n'y a pas moyen, faut qu'on la chope. Marche forcée, les gars. Le mec, il essaie de s'infiltrer en fouine, là. Barre-toi, notification. Mais barrez-vous, notification. Je veux voir cette bataille. Pas possible. Ah, l'enfoiré. Ah, l'enfoiré. Où est-ce qu'il va? Chopez-le-moi. Chopez-le-moi en marche forcée. C'est quoi ce terrain? C'est des marais. Bah tant pis, ça sera des marais. 3 de manœuvre il a. Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que ce... Ouais, et puis du coup là on est obligé de faire le tour. Oh là là, la tristesse. Bon bah tant pis, il nous a échappé malheureusement. On peut pas le poursuivre, hein. C'est pas possible. On va laisser tomber pour l'instant, malheureusement. Non, on était presque à finir le siège et là on a dû se barrer, mais putain, l'autre avec 3 de manœuvre, c'est un peu une brute. Hein. Donc ce siège là c'est fait, ça c'est de l'autre côté. On va donc tranquillement... Ah mais il y a un fort à Mossoul, pardon, autant pour moi. Du coup on va s'occuper de Mossoul. Pour l'instant on peut pas faire de miracle.
Bon, bien sûr, hein, le principal intérêt de cette guerre était d'écraser les Ottomans et Tunis, hein, certainement pas Massina. Hein. C'est évident. On dirait qu'il va à Mossoul, le Maroc. Ouais, là, on repart à moins 28, mais forcément. On va regarder un petit peu l'Ottoman. Qu'est-ce qu'il lâcherait? Ouais, que dalle, hein. Il est absolument pas. Attends, c'est hyper cher à prendre, quoi, ça fait chier. Mais forcément, hein, c'est pas un. Ça, c'est un co-belligérant, donc ça coûte cher. On va essayer de pas prendre d'attrition si on se scinde là. Prendre l'attrition, ouais. Vas-y, plutôt. Arrête-toi là, toi. Voilà. On va faire les sièges. Là, de toute façon, il y a tellement de mecs partout qu'il peut pas, il peut pas passer. Après, on dirait qu'il était parti taper sur ceux-là. Non, Oman, il est pas en guerre contre Oman. Oman, c'est son allié, je crois, donc ça doit probablement être. Il est en guerre contre des trucs par là, là. Dans le coin. On s'en fout. Ça l'occupe. Mossoul s'est tombé. Parfait. Est-ce qu'on peut passer du coup là? Oui. Oh, ça suffit, jeu. Donc ici on a deux armées, ici on a deux armées, et ici on a deux armées aussi qui glandent un peu. Essayez de faire en sorte de pas trop glander. Vous allez là. Faire comme la dernière fois, on va remonter jusqu'ici. Une fois que ce sera pris, on pourra avancer par là en mode rouleau compresseur. Si visiblement le russe a l'air de faire le café hein, cette fois. Autant la dernière fois il souffrait, autant là. Attends, regardez ça quoi. Il a commencé deux fois moins nombreux, il a emmené des renforts, mais limite c'était même pas nécessaire quoi. Il s'est défoncé l'Ottoman. C'est la violence absolue. J'ai oublié d'aller upgrader mes bateaux moi. Allez les gars, c'est parti. Vaisseau à trois ponts. Ça nous coûte un peu de blé, mais c'est pas grave. On va. Le rembourser le blé. On occupe des trucs bien sûr. Donc on va attendre un peu ici que ça tombe avant d'avancer. Ah mais cet épisode est beaucoup trop long. Moi je fais ma petite guerre tranquillement là, mais c'est beaucoup trop long. On va s'arrêter là tout de suite. J'espère que cet épisode vous aura plu. On continue d'avancer tranquillement sur nos adversaires. Bon bah c'est pas facile, hein, ça coûte cher de prendre ces putains de provinces. On va essayer de faire quelques revendications toujours pour que ça coûte un peu moins cher, mais il n'y a pas de miracle hein, là-dessus. On a une seule revendication ici, c'est pas ouf. On va voir si on peut pas essayer au moins de rejoindre là, pour éviter d'avoir à faire le tour du monde, ça serait quand même pas mal. Mais il faudra encore au moins une ou deux guerres hein, pour en terminer, ce qui est tout à fait possible. On peut voir que les Ottomans sont pas du tout au niveau face à nous, encore moins face à nous et nos alliés, ce qui est une très bonne nouvelle. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous!